Salut à tous, salut, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui on se retrouve pour une grosse dinguerie. Voilà, vous l'avez vu dans le cheat, vous avez vu. Voilà, on ne blague pas aujourd'hui, on ne blague pas. On va aller tout simplement se faire tatouer le logo de la salle. Vous voyez le logo de la salle, là, il s'affiche maintenant à l'écran là. Vous voyez ce logo là, on va se le faire tatouer dans le dos. J'hésite encore, soit dans le dos, soit dans le bras, je sais pas trop. Mais je pense qu'on va le mettre dans le dos parce que ça va être plutôt sympathique les gars. Alors du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tout simplement aller chercher le tatouage. Et notre but tout simplement, c'est de voir la réaction de la salle. Alors bien évidemment les gars, ce n'est pas un vrai tatouage, vous l'aurez compris. Notre but aujourd'hui, c'est de prank la salle et Eden, et tout simplement de faire en sorte qu'ils y croient. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche. Et nous, on va aller chercher le tatouage que j'ai commandé sur un site. J'espère qu'il est de bonne qualité parce que j'ai même pas vu à quoi il ressemble. Là, je suis en train de faire l'intro. Si ça se trouve, il n'y aura même pas de vidéo sur le tatouage, il est dégueulasse. Mais on est parti, let's go. Bon les gars, direction le point relais pour aller chercher le tatouage les gars. C'est plus sympathique. Et ça, c'est pas mal. On va aller chercher, on va voir s'il est là les gars, s'il est dispo. Bon les gars, le colis m'a l'air plutôt petit en vrai. Hein. Regardez-moi ça, il est tout petit. C'est un tout petit colis. Je suis avec Nuno au passage, hein. Nuno qui m'accompagne dans ce périple. Donc, tout petit, on va aller ouvrir, voir comment il est le tatouage. On se retrouve directement à la maison dans le jardin, tranquillement les gars. Bon les gars, finalement, changement de plan, on va chez Boubou pour mettre le tatouage. Parce qu'il faut bien quelqu'un qui mette le tatouage les gars. Oui. Bah là, on va chez Boubou tranquillement. Il va mettre le tatouage et voir s'il est bon. Bon les gars, on est actuellement chez Boubou tranquillement. Comment ça se passe Boubou? Bah j'attends de voir ce beau petit tatouage. J'espère qu'il est de bonne qualité. J'espère qu'il est de bonne qualité. Alors il va avoir forcément la réaction de la salle à la fin de la vidéo. Vous inquiétez pas les gars. On va lui faire j'ai préparé une petite vidéo vlog un peu que la salle et Eden regarderont. Comme ça on aura leur réaction. Mais en tout cas. Ouais. Faut pas le mettre avec de l'eau ou je sais pas quoi, je pense. C'est même pas. C'est quoi, c'est temporaire ou il dure? Ah ouais, il je crois que ça dure longtemps ça. Un petit paquet de bonbons en cadeau pour Olmino. Il le mangera. Non, c'est pour moi. Ah il n'y a ouais, pas de bonbons ici. Ouais, il est beau, hein. Il est là. Ah, le zoom. C'est sale. Il nous en est pas d'autres. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est juste un truc normal. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est des gâteaux. Ils nous ont offert d'autres tatouages. Ouais, bah, on va les faire aux gens, je pense. Et ça, c'est quoi? C'est bonjour, 10% de remise. Bah, okay. On va sûrement pas faire de la pub si ils l'ont pas envoyé gratuitement. Donc, alors, comment ça se met? Attends, me dis pas que c'est juste un autocollant. C'est un autocollant, je pense que ça doit être avec de l'eau, il doit avoir les trucs d'utilisation. Allez, c'est comme ça. Là, tu peux montrer à Vienne, approche-toi. Voilà. Pas marqué comment ça s'utilise. Il dit c'est comme ça. Alors attends, s'il y a un truc en français. J'ai un torchon. Allez, torchon. Un torchon, on va te le mouiller, on va te tatouer le dos. Wow. Je vais mettre dans le dos, non? J'espère que ça dure longtemps par contre. Je sais pas. Il n'a rien. Chuu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 u
Vous m'entendez ou pas, les gars? Vous m'entendez bien, c'est bon? Ouais. Par contre, c'est juste que t'as pas de charisme, donc on... Ouais, du coup, on peut pas... Non, mais plus sérieusement, non, parce que tu sais, j'ai la voix un peu qui tremble. Là, ça, j'ai fait une dinguerie, voilà, je te le dis, j'ai fait une dinguerie. Ah, et... ça se voit, hein. Ah ouais, c'est... Waouh. Je pense que t'as fait une grosse bêtise, là, oh là là. Ouais. Non, mais... T'as dû aller mais laissez-moi finir. Ah, pardon. Ah, ok. Non, là, moi je voulais juste dire un truc, c'est voilà, la salle, tu sais, ça fait combien de temps qu'on est sur YouTube, ça fait des années là, ensemble. À peu près. Ouais. Il était hyper rigolé. Arrête de me faire rigoler parce que tu me fais rire. Alors du coup, voilà, hier après les vidéos, donc on a fait les vidéos très très tôt, on est d'accord là-dessus. Hier, ouais. Et l'après-midi, j'avais rendez-vous quelque part. Voilà, je le dis. Voilà, les gens de toute façon ils voient ce que c'est là actuellement devant eux. Et ah, ils voient? Ouais, les gens ils voient. Pour l'instant vous voyez pas. Du coup voilà, comme tu as dit là, ça fait 10 ans qu'on est en vidéo, enfin qu'on travaille ensemble et tout. Et avec Boubou on est parti faire un truc. Sache un truc, c'est que ça fait extrêmement mal. J'ai souffert, la salle, je te le dis, j'ai très souffert. J'ai même pleuré. Ah ouais. Voilà, je le dis, j'ai pleuré. Et du coup vu que je t'aime énormément, je t'aime beaucoup. Voilà. Ouais. J'ai fait un truc près de mon cœur. Je l'ai mis près de mon cœur. Pourquoi près du cœur? Ah voilà, parce que la salle, tu sais, je t'aime. J'ai fait une vidéo, enfin j'ai fait une musique, la salle, toi et moi et tout. Et voilà, je vais vous faire un partage d'écran, ok, les gars. Le moins des yeux près du cœur. Et je veux que vous réagissiez et vous me dites bah voilà, si t'aimes ou pas la salle. Mm-hmm. Et on te dit ce qu'on en pense dans les commentaires. Ok. Voilà, ce que t'en penses. Alors je m'apprête à commenter. Alors je vais l'enlever devant tout le monde, hein, parce qu'il fallait que j'attende un jour. Hein. Le tatoueur il m'a dit. Ah, donc on sait que c'est un tatouage. Est-ce que tu vois? Je vois. c'est normal juste qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas d'huile ou quoi? Parce que ça a l'air très sec ton truc. Comment ça? Bah, on dirait le cellophane que ta mère elle a fait des gâteaux juste avant et que t'as refilé, quoi. J'allais dire la même chose. Il est allé chercher un cellophane vite fait. T'es parti chercher un cellophane où il y avait du pain de. Non, bah non, en fait, non, je vous explique. J'ai dormi avec. Donc, forcément, tout est bien. C'est complicado le soir de dormir et tout. Il a un peu mis comme ça. Il m'a dit, de toute façon, dans tous les cas, faut pas le laisser longtemps. Tu vois. De toute façon, Eden, tu connais les tatouages. Ouais, j'en ai, mais justement, je trouve ça extrêmement sec. Alors, est-ce que tu veux voir la salle comment il est ou pas? Enfin, genre, ouais, genre, bah oui, genre, oui parce que... Ouais, je pense. Hein. Attends, hop. Fais gaffe, parce que je crois que les tétons sont censurés sur YouTube. Tu vois, là? Je commence à apercevoir, effectivement, un logo qui ressemble au mien. Voilà ce que j'ai fait. J'ai tatoué ton... Enfin, je me suis mis ton tatouage. Non, mais attends. Touche avec ta main, là, que c'est pas... Que tu nous fais pas un fake. Non, mais regarde. La peau est ridée à certains moments, mais bon, après... C'est vrai qu'on dirait un fake. On dirait que tu l'as posé un peu. Bah, dis-moi si tu kiffes déjà. Est-ce que tu valides le tatouage? Alors, c'est quelqu'un qui l'a dessiné. S'il est vrai, je le valide. Par contre, est-ce que tu peux m'expliquer un truc, Anune? Ouais. Eden, il a des tatouages, donc dis-moi. Alors, en fait, quand j'étais petit, je m'amusais à faire un truc où il fallait calculer avec des points. Il fallait calculer, tu sais, il y avait genre 3 fois 2, machin, et tu reliais, après ça faisait un dessin. Pourquoi t'as pareil sur le côté gauche? T'as fait un tatouage non, je sais pas. Non. Parce que t'as des points noirs à gauche, là, il faut quoi? Moi, je veux que la salle me dise qu'est-ce qu'il en pense. Moi, je vois la grande ours. Ah oui, il y a la grande ours, là. Bon, excuse-moi, mais je vois vraiment la grande ours et je vois... Est-ce que la salle, tu valides? Je t'ai dit si c'est un vrai, donc si tu passes ta main dessus et que ça colle, ça tient bien, ouais, je valide. Comment ça, passer dessus? Bah avec ta main, quoi, tu passes dessus, ta main, et ça tient bien. Bah oui, regarde. C'est bizarre comment tu passes ta main. Ah, c'est vrai que ça a l'air... Non, mais ça, non, c'est non, vraiment non. Un vrai tatouage, les gars. Tu sais comment un peu on remarque, je pense qu'il est fake parce que ta peau est un peu ridée. Donc ça fait comme un espèce d'autocollant qui s'est... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... En gros, comme les tatouages malabar, les trucs là, quoi. Ouais, donc tu penses que c'est un fake? Bah, il est assez brillant, alors que tu t'es pas forcément mis d'huile. Bah, c'est parce qu'on a mis de l'huile... C'est parce que le gars m'a mis une huile bizarre, il m'a dit c'est de l'huile de... Comme l'huile de tournesol. Alors, ok, bizarre.
Alors pourquoi dans ce cas-là tu n'es pas rouge plus que ça? Parce que tu te fais quand même planter par. Et en plus, vu le truc, les couleurs et tout. Les couleurs dans les tatouages, c'est extrêmement rouge quoi. Parce que. Tu vois pas que je suis rouge là. Ok. C'est vrai qu'on dirait un autocollant un peu. Ouais. Je pense, en tout cas, c'est. Il est beau. Moi je pense que j'aurais aimé si t'en aurais fait genre vraiment abuser sur ton corps. Et je pense que la salle, il aura encore plus kiffé aussi. Ouais, c'est mon premier, tu vois, je l'ai mis dans le cœur parce que voilà, pourquoi le cœur, la salle? Parce que voilà, on s'aime et tout. Et donc forcément, il y a une alchimie entre nous deux, tu vois. Regarde, tu refais le même sur ton torse et ton ventre, mais genre, il prend tout le torse et le ventre réunis. Et là, je suis d'accord. Non, t'as oublié le plus important. Moi, je pense qu'il devrait carrément s'en faire un, genre au milieu du front, comme ça. Ah ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Alors justement, là, dis-toi que c'est un 10x10 la salle. Il y avait 3x4, 10x10. Enfin, genre, il m'a fait plusieurs un choix. Autocollant non, 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 un autocollant? Non, pas un autocollant. Attention, non, ça, c'est un vrai. C'est un vrai. Du coup, je suis parti sur un 10x10. Voilà. Et combien t'as payé Le tatouage entier. Ouais. Ah oui, d'ailleurs, ça m'a coûté un bras la salle. Hein. Tu vas le rajouter. 450. Impossible. C'est impossible. Voilà. Impossible. Un tatouage aussi gros avec autant de couleurs, impossible. C'est pas. Bah, en fait, non, bah, attends, laisse-moi t'expliquer. T'es parti chez. Attends, Aziz, mais laisse-moi t'expliquer. Parce que cette vidéo est sponsorisée par le tatoueur. Vous vous doutez bien, les gars, j'ai gratté un partenariat. C'est un tatoueur de Nancy très très connu, en plus très réputé. Ah ouais, ouais. C'est qui? Aziz. Non, pas du tout. Ah. Alors, c'est Balrog Tatouage. Je sais pas si vous connaissez. Non. Balrog Tatouage. C'est genre une ballerine qui fait du rock tatouage quoi. Voilà, c'est Balrog Tatouage. Voilà, faudrait donc dédicace à Fighter. À Balrog Tatouage. Je pense qu'il connaît la salle, c'est le propriétaire. C'est un gars de chez nous. Ah ouais. Ouais. Ah, il a ouvert une tatouerie. C'est ça, il s'appelle Bad. Ok. Mmh. Okay. Bad le Beast City. Ok. Ça te dit rien la salle? Ok. Eh bien, évidemment, les gars, vous doutez bien que ce tatouage, les gars, est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux, la salle? Est-ce que c'est un vrai ou un faux, selon vous? Bah, Eden, il va répondre, parce que là, c'est tellement évident. Je pense que, vu la première phrase que t'as dit, les gars, j'ai un truc à vous dire, et que t'as commencé à dire à la salle, je me suis dit, bon, à mon avis, il est en train soit d'essayer de troll ou quoi, donc je pense que c'est malheureusement un fake, même si je le trouve quand même assez stylé, mais je pense que c'est un fake. Un gros fake d'ailleurs, parce que si c'était pas un fake, t'aurais déjà fait 1000 snaps, 1000 vidéos sans figurez-vous, nous. Figurez-vous les gars, je vais vous annoncer quand même, j'ai fait un snap, regardez, on va regarder ensemble. Oui mais, ça veut rien dire, tu connais, lui, il peut teaser des vidéos à l'avance et dire les gars, regardez ce que j'ai fait une dinguerie. La story a quand même fait 50 000 vues les gars, donc voilà. Je peux vous lire quelques petits messages des abonnés quand même, les gars, quand même. Alors, on a... William qui nous dit c'est un fake. Dave qui nous dit ça se voit c'est un faux. Lenny c'est un faux. Le faux tatou c'est un faux tatouage. C'est un faux tatouage. C'est un faux tatouage par contre. Les Malabar. Comment il s'appelle tu sais l'ancien youtubeur là, je sais plus comment il s'appelait sur YouTube, il commence par un F là, ça le fouet. Il m'a dit bien joué le partenariat avec Malabar. Merde, c'était quoi son truc? Bad quelque chose, non? Batman. Ouais, voilà. On a Alicia qui nous dit que c'est un tatouage à faire comme ça, mais je suis un vrai tatoueur. Et voilà, quoi. Ouais. Lena qui dit t'aurais pu faire effort. En gros, pour résumer, parce que tu peux nous lire au moins 1 milliard de messages, mais pour résumer, personne n'y croit en fait. Ouais, voilà. pour résumer, ça se voit que c'est fake quand même, tu vois, c'est... voilà, moi ma daronne quand je lui ai montré, elle était choquée, elle a dit t'es devenu fou. Mais bon, elle a cramé aussi direct que c'était un faux, tu vois. Donc, À quand un vrai tatouage cette fois-ci? Et bah, ça malheureusement, ce n'est pas possible. Sur ce, tu sais que pour l'anecdote, Unwin, il y a vraiment un abonné qui s'est tatoué mon logo. J'essaierai de te trouver l'image pour que tu la montres. Ça c'est vrai. Mais il y a vraiment un abonné qui s'est tatoué mon logo, genre. Alors que le mec, ça se trouve, demain il va me détester, tu sais. Ou ça se trouve, il me déteste même aujourd'hui et bah, il sera obligé de se couper le bras ou le pied ou je sais pas. Ou se faire le laser, je crois, il me semble. Mais tu sais que non, ils ont trouvé une nouvelle méthode maintenant. Ah ouais. Ils font courir l'alien sur 10 km
ouais. sans se laver les pieds, et ensuite il vient et il marche sur ton tatouage et il s'efface. Ah oui, transpiration. C'est vrai. J'en entends parler, c'est aux États-Unis ça, la salle. C'est une nouvelle technique apparemment, ouais, ouais. Ça marche que sur les gens bizarres apparemment. C'est une technique de l'Amazonie, je crois, un truc comme ça, ouais. La salle a mais ça y est, là, t'as fait une vidéo entière, là, c'est bon. On peut quitter.